Allez, c'est reparti pour une semaine. Oh là 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 là, y'a qui là? Salut tout le monde, comment ça va sur le campus de Sub-Sacadie? Vous allez bien? Vous avez passé un bon et un agréable week-end? Oh là là, ouais non mais j'ai plus la motive là, c'est bon, c'est fini. Hein. Ouais, c'est la fin là. Ouais, je suis sur la fin, c'est la retraite, on va aller rentrer. Salut tout le monde, petit aparté dans cette vidéo pour vous parler de notre nouveau sponsor, à savoir les Slip Kangourous. Les Slip Kangourous, non, je déconne. Vous étiez nombreux il y a pas mal de temps à me demander pourquoi est-ce que je me trimballais avec ça de temps en temps sur le live ou ce genre de truc là. Au mois de décembre, Oli m'a contacté du coup pour tester leurs produits. Vous le savez, j'en avais déjà parlé par le passé, je suis pas un grand fan normalement des energy drinks, c'est juste personnel pour le coup. Mais depuis janvier, Oli a décidé de faire une gamme de produits qui est une gamme iced tea, donc thé glacé. Et vous le savez aussi pour les personnes qui me suivent majoritairement sur Twitch, parce que sur YouTube on a au moins la décence de couper ce passage là. Quand je bois, la plupart du temps, je buvais de l'eau aromatisée et je buvais de l'eau dans des bouteilles en plastique. Donc c'était pas très rentable et c'était surtout pas vraiment très écologique non plus. Oli est venu me voir quand ils ont vu ça et nous ont dit hey, tu veux pas faire un partenariat maintenant qu'on fait de l'iced tea, pourquoi pas faire quelque chose. Et donc on est en partenariat avec eux depuis le début du mois de janvier, donc pour les trois prochains mois. Vous pouvez utiliser l'un des deux codes qui va apparaître juste ici, à savoir soit 64 soit 645 en fonction du fait de vouloir soit 5 euros directement sur votre commande, soit 10% sur l'intégralité de la commande. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ce genre de partenariat parce que en règle générale, vous l'avez déjà remarqué par le passé, c'est pas moi qui parle de ce genre de partenariat, on a toujours une petite marionnette qui en parle. Mais là, pour le coup, le produit, je l'aime bien, je l'utilise personnellement et je pense que ça va rester pendant encore un sacré moment. Dans tous les cas, comme d'habitude, ne vous laissez pas influencer par les influenceurs, allez voir directement, goûtez par vous-même, pourquoi pas essayer le pack découverte. Vous avez le code, vous savez où aller pour vous faire votre propre opinion. Merci en tout cas à Oli de sponsoriser cette vidéo et comme je le disais, eh bien pas mal de streams pendant l'intégralité des deux prochains mois qui vont arriver sur Twitch. Parce que pour vous, peut-être que c'est pas grand chose, mais pour nous, eh bien ça nous permet en 2023 de continuer à faire le contenu qu'on est en train de faire sur YouTube et sur Twitch et ça permet tout simplement eh bien de participer à l'amélioration des contenus que je peux proposer sur Twitch. Voilà, donc merci à la Holy Squad et puis merci à vous. Bonne vidéo. Bon, ça va les moches? Bonjour le plus beau, le roi Six. Ouais, ouais, ça va. Hey, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est ma nouvelle boisson et c'est mon nouveau partenaire, Holy. Bon, ça va tout le monde? Moi, j'ai pas la motive. Ouais, voilà, je suis le seul streamer qui lance et qui a pas la motive. Oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oh, j'en ai marre. Des fois, il vaut mieux garder pour soi. Non, mais c'est le mois de janvier, quoi. C'est la reprise, tu vois. Mois de décembre, moi, c'est un peu comme ça. Après, mois de janvier, bam, bam. Et après, ça monte, tu vois. Février, mars, avril et tout. Là, on est mois de janvier, quoi. Le diesel se met en marche. Ça va, on commence à récupérer, à gratter des minutes tous les jours. Il fait plus nuit à 15h15, quoi. Bouge tes fesses, 6-4, go R6, le skill. Et bouge tes fesses, toi. Prends un sub. Allez, bam, tu t'es fait supprimer ton message. Aïe, 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 aïe. Il me faut un projet qui me motive intellectuellement. 6-4, j'ai une question. Aurais-tu des conseils pour que je m'améliore? Là, je suis argent 1. Prends un sub, mec. Prends un sub, ok? Je fais plus de conseils gratuits. Oh, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. À côté de ça, je me dis, putain, la vache, mais hier, j'ai payé des pâtes thaï 15 euros. 15 euros les pâtes thaï, quoi. Des pâtes, de la sauce, du soja, quoi. Et je me dis, putain, la vache, mais moi, je me fais en... J'aurais dû ouvrir un restaurant, en fait. C'est trop beau, Six. Non, c'est pas vrai, si j'étais beau, je serais pas célibataire. Eh, ma nièce, elle a dit que c'était vraiment bon. Elle a dit que c'était trop kawaii. Oh là 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 là, ouais j'étais avec, c'est pour ça que j'étais pas là samedi et dimanche, j'étais avec mes neveux, ah j'ai trois neveux, deux, une nièce et deux neveux quoi. Oh là 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 là, donc leur mère est passée, donc ma sœur quoi, ils sont passés sur le campus, on est allé manger ensemble, après je leur ai dit on va faire un tour en ville, ok on est allé faire un tour en vigne, en ville. Non, pas en vigne. J'aurais peut-être dû les amener en vigne, d'ailleurs. Histoire de les bourrer. Et donc, c'est con un enfant, en fait, hein. Ouais, vraiment, hein. Oh, c'est casse-cou. Oh là là. Et je veux pas tomber dans du sexisme primaire, mais les gonzesses, quoi. À 13 ans. Moi, je sais pas comment ça marche, quoi. Je sais pas comment ça marche, ces trucs-là, ok? Moi, j'ai besoin d'un truc machin, tu vois. Il y en a un, il a 10 ans. L'autre, elle a 13 ans. Déjà, à 10 ans, lui, il est efficace, tu vois. Je lui dis, écoute, c'est simple, d'accord? On se voit une fois par an. Ça, c'est la carte bleue. T'as le droit à 50 balles. On est allé à la Fnac. Tu prends 50 balles, ok? Donc, lui, il était en mode, ouais, tac, 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 tu vois.
il a pas eu récupéré son produit. Au bout de 10 minutes, il m'a dit, tu préfères pas plutôt me faire un chèque cadeau de 50€, comme ça je pourrais aller le commander sur internet. Ouais, 10 ans, j'aime bien. Tu vois, efficace, moi j'ai dit ok, tu vois, j'aime bien les rapports comme ça. Simple là, tu vois, dans le rationnel absolu. 50 balles, ok, je te fais un virement de 50 balles, je fais à ta mère te le donne, et tu iras t'acheter ce que tu veux, et tout le monde est content. Et elle, je sais pas. L'indécision absolue, quoi. Je dis, tu veux qu'on aille faire un tour au Galeries Lafayette? Tu vas t'amuser, tu vas te prendre une petite écharpe, un petit truc et tout. On te laisse tranquille, on va pas être derrière à lui dire, tiens, prends ce sweat, prends ce machin. Moi, à 13 ans, ça m'aurait cassé les couilles qu'on fasse ça, tu vois. Je sais pas. Et comment vous faites, ceux qui ont des enfants, là? Tout ça pour dire... J'ai envie de lancer un système de location d'enfants, tu vois. Il y a pas mal de trucs, en fait, qui nécessiteraient, je pense, d'avoir un permis. Et je pense qu'il faudrait un permis d'enfant. Pour pouvoir avoir des enfants, il faudra passer un permis, en fait, qui serait exactement comme le permis, un code. Qu'est-ce que c'est que d'avoir des enfants? Petit A, petit B, est-ce que ça chie dans du bambou? Comment ça fait? Pour que les gens puissent bien savoir dans quoi ils vont s'engager. Et après, bien évidemment, un permis, donc une mise en pratique, avec on te loue des enfants pendant genre un ou deux jours, et à la fin, bien évidemment, on verra déjà si toi t'es en capacité d'avoir des enfants, et en plus, toi ça permettra de te rendre compte d'à quel point c'est casse en fait d'avoir des mioches. Et franchement, je pense qu'on résoudrait pas mal de problèmes au final, parce qu'on irait à la base du truc. Ah, j'ai pensé à ça, je me suis dit putain, c'est vraiment bien quoi. Il faudrait pouvoir louer mon enfant, tu vois, louemonenfant.com. En plus, les parents ils sont contents, tu vois, c'est des colonies de vacances quoi. Pendant deux jours, ils les ont pas forcément. Non, vous en pensez quoi? Déjà un enfant, impossible de le rendre, même avec un ticket de caisse. Eh, c'est tu peux pas, tu vois. C'est ça qui est relou. Tu peux pas le rendre au final. Tu peux pas dire ouais, bah, machin, etc. Tu vois. C'est ça qui est chiant, tu vois. Meilleur spell qu'il a faire tout le temps. Ah, ça ira sur la chaîne par exemple. Voilà, un spawn kill gratos, les cadeaux, celui-là, faites-le tout le temps, ça passe tout le temps. Tu casses à gauche, tu pètes la vitre, du coup, il voit rien avec la vitre qui est cassée. Terminé, hein. Abonne-toi à la chaîne. Et abonne ta mère aussi, hein. Nouvelle vidéo qui vient de sortir. Encore un putain de belge sur Rainbow Six. Oh, encore un putain de belge, hein. Dis-moi, Suscatre, je comprends pas. Tu vas pourtant à Charleroi. Tu m'as l'air de temps en temps très sympathique, hein. Ce matin, j'étais d'ailleurs avec une marque, hein. Une marque de Belgique, hein. Marque de computer, hein, dont je ne parlerai pas, mais qui va être partenaire peut-être du campus de la Salty Academy. Je ne comprends pas cette antinomie, hein. Suscatre, tu as l'air de nous en mettre plein la gueule, hein. Nous et le peuple belge. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi vas-tu à Charleroi, nous donnant l'impression que tu es quelqu'un d'aimable et de sympa, qui aime la présipauté de Belgique? Et de l'autre côté, t'es un gros fils de... Peux-tu nous expliquer, s'il te plaît? Si tu veux bien m'appeler sur mon GSM. Que là, je l'ai pas sur moi, mais j'ai oublié mon cellulaire. Un cellulaire, c'est les Québécois. Putain, mais il m'a fait trop peur, lui! What the fuck? Mais tu vas pas nous faire croire que t'as jamais de DM de femme? Jamais! Je ne me suis jamais fait draguer. Je me dis, c'est parce que j'impose trop, tu vois. Ah, c'est ça le problème. Il y a un moment où, en fait, dans la vie, il faut être un 6-7 sur 10, tu vois. Mais quand tu commences à être un 9 sur 10... Pardon. Pourtant, j'adore ton physique, donc bizarre que personne te drague. Mais c'est que vous le voyez pas, mon physique. Il y a une casquette pour cacher la calvasse, déjà. Et je suis assis sur un truc. J'ai pas de cul, en plus. J'ai un cul d'un mec assis sur une chaise, quoi, en fait. Tu vois, ça prolonge comme ça. Un cul de bonhomme qui a pas de cul, tu vois. On dirait, je sais pas, on dirait un bobsleigh, en fait. Elles se discutent toutes que t'es déjà un homme marié, c'est pour ça. J'arrête pas. Je vais le mettre en gros. Alors, en revanche, je veux pas me reproduire. Mesdames, je suis désolé, hein, mais c'est hors de question. Non, 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 mais peut-être qu'il faut faire un truc plus subtil. Il faut peut-être être dans la subtilité aujourd'hui, je pense. Tu vois? Et je pense qu'il faut arriver à créer du désir tout en étant dans la subtilité, bien évidemment. Avec un gros truc qui flash.
Oh fuck. En plus, t'es pas moche et t'as gagné une compétition e-sport. Moi, je le dis, la gente féminine rate quelque chose. Mais tu peux pas parler d'e-sport, c'est pas possible. Tu me vois aller en boîte de nuit et dire, ouais, j'ai gagné une coupe du monde sur Rainbow Six. Sur quoi? C'est pas possible, tu vois. Donc après, où est-ce que tu peux utiliser ce genre de phrase? Dans un bar à gamers? Bon bah déjà, il y a pas la seule nana, c'est la serveuse. Bon bah voilà, c'est pas possible. Ou alors à la Paris Games Week. Attention. Ah ouais, bah attention. Il y en a d'autres, ils ont eu des problèmes. Avec ta voix qui monte dans les aigus, elle pense peut-être que t'aimes les hommes. Sous prétexte que j'ai une voix qui part dans les aigus, j'aime sucer des... Non mais vas-y, mais dis-le, vas-y, on y va franco, vas-y. Allez, pleine balle, allez, vas-y dans tes clichés homophobiques. Vas-y, hein. Non, 100% hétéro. Putain, merde. Merci Wings pour les 2 mois. Wings. Salut Six, est-ce que l'époque de ta PL te manque? Non, l'époque de la PL me manque beaucoup moins que le fait que tu sois pas abonné. Ton sub me manque. Ça me manque terriblement, ça. C'est ça qui me manque, là. C'est de la thune qui me manque, tu vois. La nostalgie, en revanche, j'en ai rien à... Allez, on va dire 60% de chance qu'il ait un Wallach qui soit très mauvais. Mais ça peut être juste de la chatte, ouais. Mais je dis 60%. Je sais pas, c'est bizarre comme spray quand même. 3 balles comme ça au milieu, on sent bien que le mec est pas très bon. Son crosshair placement est pas propre. Chatte en vrai. Ouais, 40% de chance que ce soit de la chatte. Il a été bon. Ferme ta gueule. Le streamer dit quelque chose. Tu vas dans son sens, ok? Y a pas de viewer streamer, ok? En étant ici, vous êtes un peu mon harem. Vous me sucez tous la zigounette, c'est tout. Y a pas de débat, y a pas de tergiversation. Moi, je pense que... Non, toi, tu fermes. Ok? Parce que c'est bien clair. Mais tu te fous de la gueule de qui, toi, là? Mais j'entends rien! C'est fort le nouvel agent. Bah c'est fort parce que je le joue quoi. Quand c'est joué par moi, c'est très fort. Mais quand c'est joué par des joueurs lambda, pour vous ça va pas être très très fort. LOL. Jouer avec des potes sur PC, on a toujours un peu de mal à défendre malgré le comp prank Kaïd bandit pour bloquer les ennemis. Mais ils arrivent souvent à passer quand même des conseils. Ne mets pas tes Kaïd tout de suite, tu vois. Attends un peu avant de mettre des Kaïd ou alors t'en mets deux, tu vois. Donc tu prends un Kaïd en plus d'un mute ou en plus d'un bandit, quoi. D'abord tu mets les bandits et ensuite quand les mecs arrivent, tu mets le Kaïd, quoi. Bien évidemment, tu bannes le chatcher. Et après, change d'amis, je pense aussi. Ouais, je pense que tes amis sont. Si, c'est possible, hein. Change d'amis, hein. Tu vas sur point d'exclamation Discord, tu peux trouver des nouveaux amis. Ça, c'est le plus compliqué au final, hein. Personne ne le dit, mais le challenge le plus compliqué de Rainbow Six, c'est le fait de pas partir avec ses amis débiles. Ils sont là, on peut jouer ensemble, et là, t'es là, ouais, tu les regardes un petit peu, tu sais, comme ton petit frère débile, tu vois. Ouais, ok. À l'époque où tu voulais sortir en boîte et tout, machin, et que lui, il est en train de te demander si tu veux pas jouer avec son nouveau drone. Ah, ça, c'est compliqué, hein. C'est le plus compliqué. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Comment dire à ses amis qu'il pue la merde? Je vais l'intituler la vidéo. I'm sorry bro. Je vais écrire un livre. Oh, le titre du livre. Moi, je travaille au CIMEF. Si quelqu'un sait ce que c'est, lève la main. Au CIMEF, société indépendante des manchots en cul de famille. Je sais pas. T'aurais fait quoi si t'étais pas streamer, youtubeur? J'aurais sucé des...
Ce qui est pareil au final. C'est la même chose. Là, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. Franchement, 3,99€ la pipe au bois de Boulogne. Terminé, tu vois. Il n'y aurait pas eu de Twitch Prime, tu vois, mais j'aurais inventé un truc avec des cartes à points. Ouais, c'est comme ça, mais c'est la même chose. Ah, si vous faites des dons, vous illuminez ma journée. Hein. Non, c'est 20€, crois-moi. Elle a augmenté tes tarifs, ta mère? Ah, mais la guerre en Ukraine, l'Ukraine. Non, j'aurais fait quoi? Plus sérieusement, je sais pas, je serais resté dans le marketing des jeux vidéo, les mecs, j'ai fait ça pendant 4 ans. Ça reste un sport de ouf, quoi. Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée en ma compagnie. Sachez que c'était pas partagé. Pas du tout. En règle générale, vous êtes sympa, etc. Mais là, vous avez quand même été majoritairement des gros de rats. Maintenant, je vous le dis, hein, parce que vous voulez de la transparence absolue. Donc, j'ai passé une journée de merde et tout ça à cause de vous. Donc, je veux vraiment, à la fin de ce stream, que vous repartiez tous avec cette petite responsabilité d'avoir été des fils de p***. Alors que moi, j'ai été nickel. J'ai été le Sherpa sur la montagne. Je vous ai accompagné là où vous vouliez que je vous accompagne. C'est tout. Des rats. Ouais, c'est ça, nickel. Tous des rats, il n'y a que des rats. Premier degré maintenant. Allez sur YouTube pour l'information YT, il y a une vidéo qui est sortie, ça nous aide et ça paye les monteurs, genre vraiment. Pour l'information Discord, si vous cherchez les teammates, n'hésitez pas à aller sur Discord. Si vous cherchez les teammates, et si vous voulez savoir tout, si vous avez des questions, etc. à poser, c'est là que la fête continue, c'est le meilleur endroit pour aller. Pour l'information Twitter, si vous avez rien à foutre de vos journées et que vous êtes un gros fils de p*** et que vous avez de temps en temps envie d'être un gros p***. Si vous faites partie des gens qui klaxonnent énormément dès que le feu tourne, passe au rouge, ou énormément dans un embouteillage en vous disant que ça va arranger les choses, allez sur Twitter, c'est la même chose. Ladies and gentlemen, je disparais, vous m'avez trop vu, trop entendu. On se retrouve demain sur le campus de la Salty Academy. Ciao tout le monde, je vous aime, pas trop, mais un peu.